C'était Rasso, un plaisir pour être vous. Pour l'information, l'OMBC nous guette bantit. 22 millions de roupies investissement dans 16 projets privés concernant l'énergie renouvelable. Premier ministre fin préside un high-level committee aujourd'hui pour guetter comment pour faciliter et accélérer cette implémentation. Aujourd'hui, mercredi 3 mai, c'est journée mondiale, liberté la presse. Thème ça l'année-là, il y a liberté d'expression et que droit humain. Comment ça met-il à y évoluer le point dans nos journaux. L'Alliance mauricien dit qu'il est satisfait avec ce meeting 1er mai dans Vaquois. Grossir la foule, montrer que la population a confiance dans le gouvernement, selon Jolie Jongor. Et puis, Déo, 9 mots dans une fusillade dans une école primaire dans Serbie, parmi les enfants l'école. Madame Issier, bonsoir. 22,6 millions de roupies investissement pour accélérer l'énergie mix. Premier ministre Pravin, Kumar Jagnat in préside High-Level Committee l'Oban l'énergie renouvelable à Zodi. Il passe en revue 16 projets pour faciliter cette implémentation en 3 ans. Le gouvernement in fixé sur l'objectif pour atteindre 34,5% l'énergie renouvelable d'ici 2025. Nous fait le point. Dans Bâtiment Trésor, ce mercredi après-midi-là, ministre, haut fonctionnaire et représentant Economic Development Board, fin réunit autour Premier ministre Pravin Kumar Jagnauth pour une réunion haut niveau axée sur l'énergie renouvelable. La feuille de route pour atteindre 60% énergie renouvelable dans mix électrique à l'horizon 2030 en main, gouvernement envie en banque secteur privé dans cette stratégie. 16 projets privés totalisant 22,6 milliards roupies investissement finissent pas sans revue. Ce qui est important, c'est une fast track tout ce genre de projet là. Enlève tout ban bottlenecks qui est là, par exemple au niveau ban PMI, au niveau ban compréhension de ban différentes instances de l'État, donc ban institution qui est là appelée à étudier ce ban projet là. Comment faire ce qui sert ban projet là faire de façon plus rapide. L'objectif, c'est jusqu'à 2025 atteindre 34,5% dans l'energy mix, c'est-à-dire 34,5% energy mix pour renewable energy sources, incluant le biomass. La plupart de ces projets-là concernent l'énergie solaire. Ce business a commencé d'ici 2 ans. Within the next 2 years, nous attendons que l'investissement est mobilisé, création de l'emploi, mais aussi atteindre ce même objectif qui est fixé par le gouvernement. Donc beaucoup de ces projets-là, c'est ban International Bids qui le CEB met en place, côté ban opérateur international, en partenariat avec le secteur privé mauricien, mais principalement ban international players qui viennent exprimer tout l'intérêt, une signe ban agreement, donc ban Energy Supply Power Agreement, qui est signé par avec le CEB, côté ça ban projet là maintenant vous allez de l'avant. Sa l'engagement vous facilite mise en œuvre ban différentes initiatives, les vise à permettre pays place les communes l'économie durable en accord avec ban l'engagement qui fin prend au niveau local et auprès ban instance internationale. Émission Focus à Zodi Assois pour le ban développement qui fin fait dans 4 bornes pendant beaucoup d'années finina ban gros développement dans la ville des fleurs. Par exemple, métro, construction de la case et aussi ban centre sport et loisirs. Émission à suivre donc à Zodi Assois après l'information en français, l'OMBCN me propose un avant-goût. Quatre-Bornes a connu un impressionnant développement au cours des dernières années. Depuis la mise en œuvre de l'échangeur Hillcrest en 2021, de nombreux automobilistes disposent désormais d'une alternative pour leur trajet. Donc, l'autopont me facilite la tâche pour que je vienne dans la région, c'est-à-dire à Sognat. Là, je sors travailler à l'hôpital Candos. Je reprends l'autopont pour aller vers aux îles. L'honorable Pravin Kumar Jagnauth, il a rendu l'île Maurice moderne pour nous pouvoir convoiter, pour pouvoir être comme les autres pays, comme le Singapour, comme Hong Kong. L'île Maurice est dans la bonne direction. Il a redessiné la ville des fleurs. Le métro passe tous les jours. Plus meilleur que ça, je vais payer une astère. Et là, depuis ici, mon visage aujourd'hui, mon visage public, on a une bonne chance, mais dans le métro là, une belle chance pour nous. Jolie, quatre bonnes jolies astères. Ceci met tout correct.
Résidence Lys à Bassin. Ici, 102 familles sont devenues propriétaires d'une nouvelle maison. Maintenant, nous avons une maison. La maison là, elle est bien jolie. Quand nous avons la cour, nous sommes capables de planter, nous sommes capables de planter même nos légumes, nous sommes capables de planter nos fleurs. Et nous sommes vraiment stables ici. Nous avons comme ça une maison de rêve. Même dans le rêve, vous ne pouvez pas attendre. Mais nous avons le développement qui est dans le 4 bornes. Tellement de choses qu'on va dire que nous ne pouvons pas faire citer. Quand tu vas aller, tu trouves une bonne quelque chose. Quand tu vas aller, tu trouves une jolie quelque chose dans le 4 bornes. Alliance Mauricien dit qu'il est satisfait avec ce meeting 1er mai dans Vaquois. Face à la presse azourdi, président MSM, Jolé Jonga dit qu'il plus qui 20 000 dimounes dans sa meeting-là. Selon lui, ça montrait confiance qui population et n'a avec gouvernement. Compte rendu. Meeting à l'Alliance Mauricien dans Vaquois pour fêter travail les 1er mai dernier, finit succès d'après président MSM. Jolé Jonga estimait que c'est résultat préparation qui fin faire à travers le pays. Tenen la foule monce le 1er mai. Nous estimations d'Imoun, les plus que 20 000 d'Imoun dans Vaquois le 1er mai. Les peuples fin expriment sans confiance envers le Premier ministre et le gouvernement. Et c'est une démonstration, Modi Ali, que la population croit dans le travail que le Premier ministre Pravin Jagnath peut faire. Pour président MSM, l'ambiance dans Vaquois finit témoigne solidarité entre ban porté à l'alliance gouvernementale. Lydia qui ban différents leaders fin exprime l'esprit d'équipe qui est là. L'ambiance de nous ban partisans premièrement. L'ambiance de nous ban camarades députés au sein de l'alliance. L'ambiance de ban dirigeants même de l'alliance, ban leader de l'alliance. Finalement, une démentie cinglante et une claque magistrale à tous nos détracteurs. Sa solidarité-là, tout le long du meeting, nous démontrait ça. Jolé Jonga finit aussi vivement critique à la principale partie de l'opposition. La vérité, c'est qu'ils n'est plus capable de mobiliser les partisans. Les partisans n'est plus croire dans eux. Le Parti travailliste n'a plus que 75 ans d'histoire. Le MMM, plus que 50 ans. Et où réalisez-vous un meeting les premiers mais vous n'êtes pas capable d'organiser. C'est la déroute des deux plus grands partis qui nous ont dans nos pays. Je vais faire référence à un commentaire dénigrant qui vient faire hier l'ON Radio Privée par l'honorable Shakil Mohamed. Monté dans sa place. Surtout quand il vient dire qu'il met sa nouveau adhérent dans MSM là, comment dire, ban bœuf en ban l'attente. Comment vous traitez un prochain, un dimoun koumaou, comment bœuf en ban l'attente? Jolé Jonga finit aussi répondre à la question de la presse, notamment concernant la foule qui tient dans Vaquois. Ce n'est pas la première fois qu'il nous parle en prendre comme estime la foule dans Maurice. Quand l'autre peut dire qu'il y en a 3500 ou l'autre peut dire 5000, l'autre peut ridiculiser l'autre même. Nous nous basons, nous, premièrement, sur ban bis, ban loto, ban van. Et nous disons qu'il ne vient même pas. Notre propre moyen, notre propre camion, il ne vient. Alors, sur le nombre de bis qui nous mobiliser, ban transport individuel, ban minibus, nous arrivons, m'aurait dit, à plus que 20 000 dimoun dans nos rassemblements. L'IFIN également évoque ban critique envers l'opposition. À chaque fois que le Premier ministre lui causait, s'il est bizarre critiqué, dans le Parlement, il critique le leader de l'opposition, c'est qu'il est bizarre dit à lui. En dehors, il critique tous les trois leaders qui est là dans sa alliance qui soi-disant en coopération depuis plus qu'il y a un an là. Il n'y a pas personne au sein de sa alliance qui se peut faire là. Dans sa conférence des presse là, ben, différents partenaires dans l'alliance mauricien, Zot aussi, il exprime Zot satisfaction concernant sa meeting là. Nous fait le point.
Pour président mouvement libérateur Tulsiraj Benedine, la foule qui tient dans Vakwa lundi dernier démontrait confiance population dans travail gouvernement. C'est vraiment le succès de l'organisation et la confiance que la population a envers le gouvernement, envers le premier ministre et tous les partenaires de l'Alliance. Et c'est une alliance qui est très soudée. Engouement d'un meeting à l'Alliance mauricien fin aussi commenté par Tania Diol depuis Mouvement Patriote Mauricien. Les fins révinent le message Premier ministre. Pour nous, nous sommes camarades leaders, ils bien synthétisent la situation. Nous camarades leaders de l'Alliance Pravin Jagnath, ils très bien affirment, et je pense qu'il a raison, ils n'ont pas fini un gouvernement aussi socialiste que ce gouvernement-là. Ce qui explique l'affluence dans le meeting du 1er mai. De ce côté, président plateforme militante Mouges Virabadren fin dire que tout bon partenaire à l'Alliance peut travailler dans la même direction. C'est l'équipe qui nous a là, tout bon camarade fin qu'on a une seule direction, une seule façon de faire. Quand on a cette ambiance qui est là, on est venu avec une idée pour montrer notre présence. Nous sommes capables de continuer à aller de l'avant. Et puis, sa nouvelle là, Special Striking Team, la police intercepté à Zodi Ndimoun, qui tient en possession une grosse quantité de produits qu'ils ont soupçonné, c'est la drogue. L'étude dans un véhicule, marque Ford Rapto, dans la rue Poudrière, dans Pau-Lui. La police arrête lui, il a ensuite enclenché une procédure pour une analyse par laboratoire médico-légal. Et puis, dans judiciaire, il y a trois nouveaux puni judges d'épisodi sous l'action Bikari Sonassi, Kesnaïti Bissonot et que Pravin Ara. Ben là, il y a précisément Zodi grand matin dans State House devant président de la République compte rendu. Action Bikari Sonassi. Do solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to Mauritius according to law. Trois nouveaux Pune Judges fin nommés par Président de la République, aux recommandations Judicial and Legal Service Commission. I, Pravin Ara, do solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to Mauritius according to law. À Zodi grand matin, de State House dans réduit, je fin prête serment devant Président de la République, Prithviraj Singh Rupen. I, Keshnaiti Bissilat, do solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to Mauritius according to law. Le serment judiciaire, elle reste ma motivation. C'est une vie de life of service, comme on dit, que je choisis. Vous ne le faites pas pour vous. Vous le faites, comme le serment le dit, pour le peuple, pour la Constitution, sans frayeur, sans faveur. Pour accueillir la nomination avec beaucoup d'humilité et fierté, et maintenant, un remerciement spécial au président, la chef juge et la commission pour sa confiance qu'ils ont placé en moi. Et moi, espérer être à la hauteur de sa judicial oath et oath of allegiance qu'ils m'ont fait prendre. Être juge, c'est l'apogée de ma carrière dans le judiciaire, que d'ailleurs je continuerai à exercer avec la même dévotion, la même persévérance, et dans le respect des droits de tout un chacun. Ma nouvelle responsabilité pousse à trois nouveaux punis judges là que te compte faire ce travail sans aucun frayer ni faveur, comme a dit bien mentionné dans ce serment. Me retrouve vous dans un petit moment après sa réclame là. Allez, allez, tapot. Allez, allez, tapot. Oui, go. Pizza. Extra fragile le motocyclette. Pas fait jojo le moto.
respect de la vie, respect code de la route. Azodi Likak Inarit Rajesh Ramnarain, ancien président Sugar Investment Trust, après son interrogatoire under warning, il a une allégation bribe 3,5 millions de roupies contre lui. Après son arrestation, il a transféré Rajesh Ramnarain à l'hôpital parce qu'il n'a pas tipé senti bien. Ban Tamoul dans Maurice Pegod Karem Sitrey qu'avait dit en ce moment une fête qui pouvait sa vendredi là et bien 10 jours avant sa grande zoula et na ban la prière dans Ban Koville à travers Maurice hier soir Premier ministre Pravin Kumar Jagnauth il assistait la prière dans Arul Migou Siva Supramanian Tirukoville dans Kadbon. Les trônés, le flanc corps de God, majestueux et que mystique, pareil comme un montagne là. En l'escalier descend moche, permet à Bandimoun pour accéder à sa lieu de culte là. Comme pour chaque fête religieuse, façade à Rurmigu Siva Supramanian Tirukoville brillait de mille feux. En effet, en sa période de jeune Sitrey Kavedila, temple l'y accueillait chaque soir ban dévot pour ban instant recueillement et dévotion. Hier soir, Premier ministre Pravin Kumar Jagnauth a assisté à sa banne la prière là. Chef gouvernement fin d'abord recueillir lui dans le temple Ganesh avant monte ban moche qui mène vers sa covilla. Côte fin faire ban offrande et fin dire ban la prière. Beaucoup de monde appellent sa temple Covil Montagne à cause de sa place que l'y trouvait. L'histoire, sa lieu de prière là, est étroitement liée à l'arrivée d'un travailleur engagé. Temple là, il abrite toujours une statuette Bondi Mojuga qui fut ramenée depuis Tamil Nadu par Vela Mojugan en 1884. Sa Covil là, l'été premier dans Maurice pour organiser Sitrey Kavedi, une tradition qui peut durer depuis 75 ans. Ça vendredi là une grande procession haut en couleur pour parcourir ban chemin quatre bonnes et pour finir ici dans Arur Migou Siva Supramanian Tirukoville. Ça l'espace là pour remplir avec ban dévot habillé en fuchsia et qui porte kavadi. Azodi, mercredi 3 mai, c'est journée mondiale Liberté la presse. Thème Salanela, liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme. C'est un thème qui place liberté d'expression comme un élément essentiel dans protection ban droit humain. Il y a aussi interpelle ban professionnel dans la presse concernant cette responsabilité. Profession journalistique, l'année après l'année, l'in continue. Évoluer, c'est tout azodi avec digitalisation, à côté parfois une banalisation dans diffusion l'information. Au pouga, il y a plus de détails aux journées mondiales. La presse dans l'information 7h30, l'OMBCN. Azodi, Zou Pouzou, fait 10 ans depuis qu'il finit un accident sorèze. On rappelle sciemment un bis qui déviré et 10 dimoun qui perdi la vie là-bas. Azodi tient une cérémonie pour rendre hommage à sa bonne victime. Déo dans Serbie, fusillade dans l'école primaire. Il y a 9 morts parmi 8 enfants et qu'un gardien. C'est un élève 14 ans qui ne tient coup de balle dans sa école là. Il finit prendre son papa son pistolet pour lui faire sa crime là. La police n'arrête lui, et puis dans sa attaque-là, 6 élèves et 15 professeurs sont aussi blessés. Nous guette météo, Astella, prévision pour prochaines 24 heures.
Pouina ban période niazé pendant la nuit et que demain grand matin avec ban gros la pli, principalement dans l'est, les sides et que l'eau plateau central. Sa ban la pli la pou parfois d'intensité modérée, kapa vena brouillot dans certains endroits. Demain après-midi, les temps pour mi-couvert, pouina ban gros la pli, l'eau ban terrain élevé, pou aussi en a divan 10 km par heure. La mer pour mauvais en déo brisant avec gros vagues d'épis sud-ouest jusqu'à 2,50 m. Ainsi, ban sorti en haute mer déconseillé. Soleil pour lever demain 6h27 et que coucher soleil 17h46. L'information finit ici. Merci pour fidélité. Madame Issier, bonne soirée.